Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars TV, la chaîne du Japap et du Béré. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, non? Nous les soi-disant blogueurs pour donner des infos là sur mieux et du. Oui. Voici des Bordeaux, les Koumfa qui fait le. Qui fait. 1 million de vues en 6 heures de temps. 2 millions de vues en 16 heures de temps. 3 millions de vues en un jour, donc en 24 heures. C'est chaud. C'est chaud. Mon frère, c'est chaud. C'est du record. Oui. Ah ouais, ouais. Mais alors, qu'est-ce qui est caché derrière ce record-là? Qu'est-ce qui est caché derrière ce record? Voici Malox qui passe, il dit que, vous connaissez Malox, non? Vous allez aimer Malox, par force. Il dit que, il propose à l'autre, à l'autre, à Poutou, que, tu vois aussi, moi, il te clash, on fait le buzz là pour que ton clip qui est depuis là, ça puisse aussi décoller. Après, tu dis que, je ne suis pas dans ton enfantillage, là, ouais. Il a fait une réponse patriotique, une réponse pacifique, mais lui, mais dans son cœur, je sais qu'il est en train de dire que. Par exemple, on fait le buzz, l'ombudsman de Bordeaux a dit, mon frère, c'est que. Mais mon frère, c'est quoi, non? Moi, il fait le featuring avec le grand Inosby. Je suis parti, j'ai payé. Mon frère, j'ai voyagé au Congo. Mon frère. J'ai fait les vidéos quand l'affaire du buzz, oh Viviane, ceci, des Bordeaux, ceci. Je vous ai dit, allez soutenir Apoutchou. Je n'ai pas dit ça. Allez soutenir Apoutchou. Voilà, son clip a plus d'une semaine. Il a 600 combien de vues? 1000 de vues, mon frère. Donc, quand il voit comme ça, là, il voit son frère qui est en train de faire, si c'est 3 millions de vues. En une seule journée, à cause du soutien du peuple. Mon frère, il dit que mon frère, le peuple là est même par catégorie seulement. Le peuple là est seulement par catégorie. C'est que le peuple, ce que vous faites là, c'est le, ce qu'on appelle ça comme quoi, le montring, le démontring. Vous voulez montrer aux Camerounais que oui, vous voulez, oui, un peu, oui. Vous avez oublié que vous avez d'autres artistes. Vous avez oublié que vous avez d'autres artistes. Et vous avez dit, allez soutenir Apoutchou. Les gens vont venir m'insulter. Wow, tu connais quoi? Oui, vous savez, vous connaissez tout. Nous, on ne sait rien. Nous, on ne sait rien. Mais ce qu'on dit là, ça entre quand même dans votre tête. Vous allez quand même réfléchir. Même si vous venez contredire. Non, pas seulement. Mais donc, ça entre quand même dans ta tête. Ce que nous on dit. C'est l'important de la parole. Quand la parole, quand elle est dite, ça entre dans la tête. Ça pénètre. Tu vas analyser ça. Même si tu viens de dire là, non, d'entrer, après tu vas aller dormir. Tu vas te coucher, tu vas dire, mais la fête, si c'est vrai, hein? Mais comment? On a seulement fait ça, c'est seulement comme si c'est la rage seulement, machin truc. C'est pas comme si seulement l'artiste méritait vraiment ça. C'est seulement comme la rage, comme une vengeance contre les Camerounais. Oui? Vous n'avez pas dit que des Bordeaux méritent plus que Apoutchou ou bien l'autre. Suspect 95. J'ai vu mon Ivoirien faire une vidéo. Hey! J'ai pas fait la capture de la vidéo là pour moi. Il dit que merde, Super 95, c'est notre meilleur rappeur ou l'un de notre meilleurs rappeurs. Il dit que non, certains vont dire que non, c'est vrai, le meilleur c'est Didi B, mais c'est là-bas, la chose est comme ci, comme ça. Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est Super 95 quand même qui a fait le buzz jusqu'à toute l'Afrique, même au Cameroun, l'affaire de 2000. Pour donner aux filles, on disait que non, tu ne dois pas donner plus de 2000 aux filles là. Mais c'est suspect quand même. Je dis, mais qui a sorti ce concept là, tant fameux, c'était suspect. Il a sorti un clip, ça fait combien de jours? En un jour, il a 200 combien? 255 000 vues en 24 heures. L'autre a en 24 heures 3 millions de Bordeaux. Vous allez dire, ah, laisse ça, je sais, je connais vos paroles déjà. Quand on vous dit qu'on se connaît, les Ivoiriens, les Camerounais, on se connaît. Je connais déjà les commentaires. Donc, je connais déjà vos commentaires avant que vous ne commentez. Mais vous savez à l'intérieur que j'ai raison. Hein? Le mérite est où? Qu'on fait ça juste pour la rage, pour la vengeance. L'important, c'est de soutenir tous les artistes.
Là, vous montrez que non, aux Camerounais, je sais que quand même, quelque part, vous soutenez vos artistes plus que nous, les Camerounais, oui. Mais ce n'est pas comme vous pensez là. Hein. Ce n'est pas tellement de soutien comme vous pensez. Vous avez mis ça ici, mais nous, on voit que c'est ici. Le Camerounais ici. Oui, je suis sincère. Je suis sincère. Je ne veux pas dire quelque chose. Moi, je ne caresse pas les gens dans le sens du poil. Hein. Je ne veux pas dire non, les Camerounais, nous, on soutient plus parce que non, je suis Camerounais. Non! Je vais aussi dire non, vous soutenez plus pour faire Talakou. Non, 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 non. Vous soutenez plus, oui, mais ce n'est pas tellement comme vous pensez. Ce n'est pas tellement comme vous pensez là. Hein. On a vu. Voilà, Maroc, il dit que. Maroc, il dit que. Combien coûte 1 million de vues? Il a mis cette vidéo, regardez. Vous avez vu, non? Oui, ce genre de soutien que tu allumes tous tes téléphones là, tu regardes le clip, tu fais mon frère, tu dis même tes familles, tu as le pas le téléphone de la matin, mais le clip de tel, les millions de vues là, vous allez avoir ça, mais mon frère, YouTube va être étonné. Merde, c'est quoi ça? Oui, tout le monde va être étonné, oui. Vous comprenez un peu, non? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut soutenir tous les artistes. C'est tout. Je sais que vous êtes mieux que les Camerounais, en quelque sorte, pour le soutien des artistes. Je sais. Vous êtes mieux. Mais il y a toujours... Vous pouvez toujours améliorer. Oui, avancer. Oui, faire plus que ce que vous faites là. Donc, étendre le soutien là à d'autres artistes, oui. C'est pas comme si Debode est le meilleur chanteur de la Côte d'Ivoire. Ouais, non, non, non. Quand vous pouvez prendre mes artistes de la Côte d'Ivoire, pour moi, Debode n'est pas dans le top 3. Hein. J'aime bien ses chansons, mais il n'est pas dans mon top 3 des artistes ivoiriens. Pour moi, oui. Vous avez dit, non, notre Debode national, notre ceci, oui. Mais mon frère, il n'est même pas dans mon top 5. Quand je dis que la musique ivoirienne, quand je veux dire, aïe, on te pose la question, tu aimes qui en Côte d'Ivoire? Il n'est pas dans mon top 5. En plus, mais c'est quelqu'un, même que si on me demande de citer les artistes que j'aime, c'est quelqu'un que je n'avais jamais cité. Sans vous mentir, je ne suis pas trop familier à sa musique. Oui, c'est maintenant que je découvre un peu ce qu'il fait à cause du buzz, du truc là. Mais tout ce que je connaissais pour lui, c'était Apéritif Yamoukoudi. Tu me demandais, et l'autre encore, quels sont les Debode, quels sont, je veux dire, il chante encore quoi là, oui. Mais tu me demandes à les gens comme les Arafat, les Mewé, les Roselyne Layo, les José, vous comprenez, Alpha Blondie, les Monique Seca, tout, mon frère, l'Espoir 2000, Magic System, Nassal Faut. Mais je vais te parler, vous comprenez, n'étais pas trop familier à la musique de Debode, pour être sincère. Oui, c'est quelqu'un qui a une belle voix, il chante bien, oui. Mais alors, il faut soutenir les autres. Hein. Soutenez les autres. C'est ce que clament les Ivoiriens maintenant. Parce que les fans, oui, vous les fans de vous êtes contents là. Oh, 3 millions de vues en 24 heures. Les fans des autres artistes disent que mais c'est quoi ça? Vous savez qu'un truc, une solution engendre un autre problème. Oui? Après, tu vas. Il va vous bien sortir et dire que non. Non, nous ne sommes pas divisés, nous ne sommes pas rivalisés. Laissez-nous les histoires là. On connaît l'homme noir. L'homme noir, il n'y a pas trop de différence. Ce que je vois au Cameroun, il n'y a pas trop de différence avec la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a la rivalité. On le sait. Vous avez le linge sale là-bas que vous lavez là-bas, que vous ne voulez même pas qu'on sache. C'est ça, c'est l'homme noir. S'il y a même chez l'homme blanc même, des rivalités. Vous avez écouté. Les rivalités qui existent dans la musique, c'est pas seulement en Afrique. On connaît. Dans ce cas, pour tout ce que tu dis là, ce sont les paroles pour être politiquement correct, comme on dit là. Politiquement correct. Mais alors, la vérité est là. Quand tu réfléchis, tu sais que non. Il ne peut ne pas avoir rivalité. Oui. Il ne peut ne pas avoir. C'est impossible. Quand tu vas me dire que non, rien m'a dit, quel marque là, ouais, ouais, il s'embrasse, oh, oui, il coupe, waouh, waouh, wow, tu as marqué, oui, l'émotion du moment, mais après là, quelqu'un parle, il reste dans la chambre. Mbappé dit,
Vinicius là a marqué 3 buts l'autre jour là. Il est en train de voler mon étoile. Hein. Voilà Bellingham qui dit de son côté aussi dit. La fête devient sérieuse. Hein. C'était moi, je pensais qu'elle devait venir au Real Madrid être la star. Voilà, le Vinicius, j'ai trouvé le Vinicius qui était comme un caillou dans une pierre, dans un caillou dans ma chaussure. Voilà, on a parti encore signer un autre là. Mbappé, il vient encore, mon frère. Donc, il y a un problème d'ego. Pendant ce temps, il y a les petits, les Rodrigo qui sont là. Rodrigo dit que, mais moi alors, moi je suis fort et Rodrigo est fort. Je suis fort, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà aussi Henrik qui arrive de son côté. Il dit aussi que hein, je suis fort, hein, je peux le dépasser. Quand on met Henrik, il vient, il fait comme si justement ça coupe du monde. Donc vous comprenez un peu. Vous n'avez pas me dit qu'il n'y a pas de rivalité. Hein, Apuchu, laisse ce que tu racontes là. Marcos, Malox, c'est comme il dit là. Quand est-ce que la population ivoirienne a fait un truc comme ça pour un artiste ou pour des Bordeaux? Ça cause du clash. Ça cause de. Premièrement, ça commence par Viviane et ça arrive sur le clash avec Malox. C'est ça. Donc Malox, lui, là, il réclame son mérite. Donc on peut rester là officiellement, on dit que, hey, peut-être Malox, ça va arranger avec des Bordeaux. Hein. Je sais que oui, vous avez dit que, bah, c'est yes, laisse ta sorcellerie, mais. Je donne un 2 ou un 3 ou un 4% hein, de possibilités. On dit que, comme ça, on l'a vu à Yaoundé, on était ensemble. on dit. Gars, clash-moi, on va faire comme ça là. Vous blaguez avec le monde ici. Vous blaguez tout. Vous connaissez ce qu'on appelle P. Diddy. Il rip Notorious B.I.G. Il rip. Après, il vient chanter un morceau. Oui. Pour souhaiter condamner, pour dire que wow, Notorious B.I.G. va le manquer. Wow, et le morceau fait des millions de dollars, ça remporte des millions de dollars. Pourtant, c'est lui qui arrive. Un père, on peut faire ça. Donc, tu ripes quelqu'un, tu reviens, tu chantes pour son rip, tu viens jusqu'à les gens, achètent encore tes trucs, tes disques. Oui, c'est vrai, oui, il a chanté pour Notorious. Pourtant, c'est toi qui arrives. Un père. Ça veut dire que yes, le monde s'y est. Ah, pa, tu restes, tu dis oui. Parce qu'au moment même, les gens, tu ne peux pas soupçonner. C'est plus tard, maintenant que les vérités sortent. Tu dis non, non, il pas chante. Donc, ça veut dire que les gens se rappellent que Donc, il chantait Every day après pour Notorious B.I.G. Mon frère, on danse, on dit wow. Le temps-là s'appelait Puff Daddy, hein. Il s'appelait même Papi Didi. Puff Daddy a chanté wow, wow. Donc, on dansait ça. Pourtant, c'est le mot-là même qui avait rip. En tout cas, mais dis-moi, c'est un petit pourcentage que je mets. Hein, parce que. Juste parce que je veux comprendre que nous, les Africains, on n'est pas assez intelligents pour mettre les plans comme ça en marche. Mais peut-être je sous-estime les Africains qui sont plus intelligents que ce que je pense. Ils ont mis ça vraiment en marche. Parce que. Allons-y, Abouchou. Tu veux que tu clashes aussi. Ouais, la famille. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et à la prochaine. Surtout, ne mettez pas les organes.